Être compétent en lecture, c'est être capable de lire pour répondre à nos besoins. D'être capable de lire une posologie, un rendez-vous, l'agenda des enfants, ça revient souvent. Des choses que tu as besoin de lire dans la vie tous les jours, faire des recettes, lire un dépliant, des trucs comme ça. Là, je dirais ça, c'est au niveau de la base. Plus on augmente en lecture, c'est sûr que les textes vont se complexifier. Et la compétence devrait se développer pour que l'adulte soit de plus en plus compétent et aussi de comprendre ce qu'il lit. Ce n'est pas seulement juste de décoder. Souvent, en alpha, c'est ce qu'on a au début. Les adultes apprennent à lire des petites phrases, mais ça prend quelques temps avant qu'ils soient capables de bien comprendre ce qu'ils lisent. Puis un peu la même chose, l'écriture. Ils devraient apprendre à lire et après ça, être capables de les écrire. Au début, on écrit des syllabes, des petits mots, des petites phrases pour arriver à un moment donné à être capable d'écrire un texte selon un thème ou des choses comme ça. Et l'écriture va aussi en lien avec les besoins des adultes. Comment se développe une compétence en lecture et en écriture? Elle se développe à travers une situation de vie. Et c'est quoi la problématique? S'il n'y a pas de problématique, la compétence est déjà développée. Par contre, si quelqu'un a à remplir un formulaire, nous, ça pourrait être un formulaire de demande d'emploi, un formulaire pour une carte d'assurance maladie ou des choses comme ça. Donc, l'adulte a à compléter le formulaire et là, il se rend compte qu'il n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour le faire. Donc, avec l'enseignant, il va apprendre qu'est-ce qu'il a besoin. Ça pourrait être d'être en mesure de lire un nom de famille, le prénom, l'adresse. Donc, il doit apprendre à décoder ces mots-là pour être capable d'écrire dans les bonnes cases. Au même titre que s'il est en emploi, bien, ça pourrait être, je ne sais pas moi, un formulaire de commande. S'il y a à commander, je ne sais pas moi, des bureaux, par exemple. Bien, qu'il soit capable de lire bureau, d'être capable d'écrire les quantités et tout ça. Donc, c'est vraiment en situation que l'adulte va apprendre ou développer ses compétences, autant en lecture qu'en écriture. Je dirais dans la capacité de l'adulte à traiter efficacement la situation. À la fin de chacun des cours, on a les attentes de fin de cours, dans laquelle est décrit comment l'adulte devrait être en mesure de traiter telle ou telle situation à la fin de ce cours-là. Donc, on dit toujours, l'adulte en lecture sera capable de lire des textes de 30 ou 40 mots, de se familiariser avec un nouveau vocabulaire, mais c'est toujours par rapport à une situation. Bye les filles, bon été! Bon été si on ne se revoit pas! Hehehehe